On va filmer tout le monde. On va filmer tout le monde. Monsieur l'agent, monsieur l'agent, monsieur l'agent, on a besoin de vous. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, tournez-vous, s'il vous plaît. C'est l'humiliation, ça, hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un est tombé sur la tête. Vous voyez, vous êtes à la suite, vous là. Quelqu'un est tombé comme ça, là. Quelqu'un est tombé comme ça, ça c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est la merde, c'est pas normal. Voilà. Vous voyez, Parle. Je suis témoin. Il est témoin de vous. Je suis témoin. Le policier qui me dit, qui me froisse. C'est devant vous. Je suis témoin. Sans papier, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Ouais. Mais ouais. J'ai vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Voilà. Quelqu'un qui me dit non, c'est comme ça, c'est normal. Au départ, j'étais là, je discutais avec eux, c'est qu'après quand ils ont vu qu'ils s'est fâché, il a tout enlevé sur lui, maintenant ils sont partis par la honte. De toute façon, je vais tout balancer sur YouTube. Ouais. Je vais tout balancer. T'en fais pas. T'en fais pas, on va les retrouver, t'en fais pas. C'est pas grave. C'est pas grave, on va les recouvrir. Il a cassé mon portable, il m'a froissé, il casse mon portable et tout. J'étais là, j'ai vu tout ça. Il a cassé mon portable. Il me demande les pièces et tout. Je dis, mais voilà tes pièces. Je dis, mais tu fais quoi là dans ce pays? C'est quoi? On n'a pas un problème. Mais putain, rabis-toi mon frère. Rabis-toi, c'est pas grave. C'est pas grave, rabis-toi. Putain, même Sarkozy, même Hollande, même
Je ne sais pas s'il est au courant de ça vraiment. C'est-à-dire, en France, c'est un politique qui t'arrête qui t'a des amis comme ça là. Trois politiques qui t'a des amis comme ça vraiment. C'est déplorable. Ça c'est déplorable. Ça c'est déplorable. Je n'ai jamais vu ça. Tu sais pourquoi je te disais calme-toi, faut pas les donner la raison. Faut pas les donner la raison. Moi je suis témoin. Je suis resté là, j'ai vu comment ils t'ont interpellé, il n'y a pas de problème. Hein? Mais effectivement, je vais balancer ça tout de suite là dans YouTube. Les gens vont voir. Facebook, YouTube. Un policier qui m'appelle, il me dit que longtemps, je me présente, il me dit, mais tu es noir, tu es nègre. En France encore. Où on dit, tu es nègre. En France. Mais putain. Non, c'est ça le flic qui m'a interpellé là, ils l'ont fait déshabiller carrément. C'est vrai ? Oui, ils sont partis là, j'ai tenté de les filmer, ils sont partis, ils sont montés rapidement. Mais moi je mets ça sur YouTube et Facebook, on va voir ça maintenant. Faut qu'ils soient recherchés. Hein. C'est à vous votre téléphone ? Oui, c'est son téléphone, ils ont balancé par terre. C'est un rêve pour moi, c'est un rêve. Un policier qui te demande des amis, toi, je te fouille, tu n'es plus grand. Dans un pays pareil. Non, tu es nègre, non. Je n'ai plus grand. Mais habillez-vous, monsieur, vous avez attrapé froid, sinon. Putain. Ça va aller, ou... C'est là.
Mais de toute façon, j'ai filmé. De toute façon, on sera. Prends ta carte. Donne-lui sa carte. Donne-lui sa carte. À ce pays, on est forcé qu'à faire. On n'a pas de choix. À un certain moment, on se dit bon, voilà, c'est partout. J'ai une conscience, c'est partout. On est forcé. Mais je crois que normalement, en France, quand on est là, on se dit bon, c'est un pays de paix, mais normalement, c'est pas la paix. Ah, embaucher. Les inconscients à la police, ça vaut pas la peine. Parce que déjà, à la police, c'est le même problème que nous avons tous les jours. C'est le même policier qui a merde. Et tous les jours. Ça, c'est vrai. On va bon courage, monsieur. Merci. Tu peux récupérer ton sac ? Tu peux récupérer ton sac ? Merci beaucoup. Si je te disais calme-toi, parce qu'il ne faut pas lui donner la raison. Non. Parce que ils vont dire que non. Calme-toi. Voilà. C'est pour ça que nous on était là exprès pour voir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Tu n'as jamais vu ça. C'est pas grave. En France, quelqu'un, toi policier qui t'accoste, qui te dit nègre, machin, tout et tout, présent, toi tu dis mais c'est pourquoi? Tu dis non, tu n'as pas le droit d'être à la gare. C'est quoi? Tu descends pour prendre un autre train qui m'amène à la gare, tu non. C'est pas grave. Bon, écoute, moi je vais. Dieu merci que tu m'as dit. Oui, effectivement, mais parce que ça fait quand même un bout de temps que je sais. C'est là que j'ai grandi dans ce pays. Donc je sais comment ils réagissent. Ils ont toujours raison. C'est pour ça que je te dis, calme-toi, je te faisais le signe. Bon, ce que je vais faire, je rentre chez moi, je vais écrire. Ok? Ok. Et je te souhaite une bonne nuit. Merci.